dispose d'une piscine coque polyester, combien de temps il faut et quelles sont les différentes étapes? Une fois le terrassement terminé, il faut en moyenne entre 3 et 5 jours. Ça va varier en fonction de la météo et en fonction de s'il y a la pose des margelles ou pas. Parce qu'on n'est pas obligé de poser des margelles quand on pose une piscine coque polyester. Les différentes étapes sont pose du géotextile. Une fois qu'on a fait le terrassement, on commence, on pose un géotextile. Puis on fait un lit de gravier avec du gravier concassé, lavé, hyper important, granulométrie 6-10, 6-14. Un lit de gravier, on réceptionne la piscine, on la cale. Une fois qu'elle est calée, on peut mettre anneau et on commence le remblai. Le remblai avec le gravier concassé, lavé. On remblaye en même temps que le niveau de l'eau monte. Puis on fait les raccords hydrauliques de la piscine au local technique. On monte la filtration. On fait la ceinture béton. Et après, s'il y a les margelles, on pose les margelles. Toute la semaine, je vais répondre aux questions sur la pose des piscines coque polyester. Donc n'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Et je vais essayer d'y répondre.